l'Europe est en train de sombrer dans l'abîme. Et la France avec. On va assister à ça, à ce cataclysme, à ce désastre, comme ça? Ou bien on va dire, non. Si en 44, il n'y avait pas eu une poignée de résistants avec votre De Gaulle, avec Churchill, avec les autres, s'il n'y avait pas eu cette volonté de survie et de lutte, où en serions-nous aujourd'hui? Où en seriez-vous aujourd'hui? Nous sommes en 44 aujourd'hui, c'est la même gravité de situation. C'est pas les nazis, c'est pire. Un autre fascisme qui a décidé de conquérir l'Europe. En fait, il y a deux fascismes. Le fascisme de l'argent et le fascisme islamique. C'est sérieux. C'est sérieux. Je sais ce que c'est que l'islam. Je l'ai vécu. Et je le vis au quotidien. L'islam, la France sera musulmane demain. Ces petits sont invités à embrasser l'islam. Ils sont un peu plus grands, mais ça se fait partout. Le prénom le plus donné à Bruxelles, c'est Mohamed, à tous les nouveaux-nés. Plus de 50% des nouveaux bébés sont appelés Mohamed. À Bruxelles. Et c'est un peu partout en Angleterre maintenant et ailleurs. Et l'Église est là, frileuse, honteuse. Oh, oh, elle constate les dégâts, mais que fait-elle? Eh bien, moi, je vais mettre un plan. On va commencer demain. Demain, un plan, une stratégie de changement. Ceux qui veulent entrer dans la danse, c'est les bienvenus. Mais ça va avancer. La balle est dans votre camp, vous êtes là, vous êtes français, vous êtes à Toulon. Il est grand temps de vous mettre ensemble et de vous dire quoi faire.